matado aux bananes? Quelle drôle d'idée! Je fais chauffer un mélange d'huile et de beurre dans une cocotte. J'y fais dorer de tous côtés le pain tado salé, poivré. Je le retire, je le réserve sur une assiette et je jette le gras de cuisson. Et je refais chauffer dans la cocotte de l'huile et du beurre frais. J'y fais fondre l'oignon et le blanc de poireau haché, la carotte émincée. Je remets le pain tado, j'ajoute les herbes hachées, le thym et le laurier. Je verse l'armagnac, je couvre et je laisse cuire à feu bien doux, en arrosant de temps en temps avec le jus de cuisson. Pain tado aux bananes. Tiens, tiens. Tado a mijoté ainsi une bonne demi-heure, j'épluche les bananes. Je les coupe en deux dans le sens de la largeur. Je les dispose dans la cocotte autour du pain tado. Je couvre et je laisse cuire un quart d'heure, toujours à feu bien doux. Sur un plat tenu chaud, j'installe le pain tado coupé en quatre. Je dispose les bananes tout autour. Je lis la sauce à point en y ajoutant progressivement de la fécule de maïs déléguée dans un peu d'eau. Et j'en nappe les quartiers de pain tado et les bananes fondantes. Pintado aux bananes. C'est joli à boire. Pintado aux bananes. Ah, ça sent bon.